Bonjour et bienvenue au sommet des Future Casters 2020. Je suis Marion Lambert et voici Nasra Bouenali et je vais lui poser quelques questions sur le sujet. Bonjour. Bonjour. Comment, selon vous, les plateformes numériques peuvent-elles permettre aux réfugiés, en particulier aux femmes et aux filles, de faire entendre leur voix ? Alors, particulièrement, j'ai deux solutions à apporter. Je pense qu'on pourrait créer des applications dans le but, en fait, de localiser ces femmes ou ces filles qui se retrouvent seules dans la rue, du coup, vu qu'elles n'ont pas forcément d'habitation, et à leur donner ce dont elles ont besoin. Également, j'ai pensé aussi à créer des comptes sur les réseaux sociaux, une sorte d'association caritative où on pourrait faire des cagnottes, voilà, afin de récupérer de l'argent pour elles tous les 2-3 mois, histoire de leur donner l'opportunité d'avoir des choses pour elles. D'accord, très bien. Et que peuvent faire les dirigeants du monde concrètement pour que cela se produise, à votre avis ? Je pense qu'il serait important que dans le ministère, il y ait une femme qui s'occupe de la situation des réfugiés et notamment celle des femmes. Parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le milieu politique et ça serait nettement meilleur si elle est élue aussi. Qu'est-ce qui vous encourage dans la direction que prennent ces technologies numériques aujourd'hui ? Voulant être future chirurgienne ou assistante, ce qui pourrait beaucoup nous servir, c'est les intelligences artificielles, par exemple dans les chirurgies à haut risque, où elles sont beaucoup plus méticuleuses que nous, ou pour les enfants en situation de handicap qui n'ont pas forcément d'assistant ou d'assistante pour les aider à l'école, ça serait nettement meilleur pour eux, afin de pouvoir aller à l'école comme tout le monde et ne pas être considéré comme anormal. Selon vous, qu'est-ce qui seraient les principaux points à retenir du sommet des Future Casters cette année ? Je pense que les principaux points à retenir sont ce que nos délégués ont écrit. Il se peut que ça sera important pour le futur. Et je pense que c'est tout. Merci pour vos réponses enrichissantes. Pas de soucis.